Ok. C'est le président qui vous attend ici en Australie. Ça, c'est un message très spécial que j'adresse surtout à mes frères et sœurs du Katanga, qui inclut aussi tous les Congolais, bien sûr. Je parle un message adressé aux Katangais, bon, parce que je suis né au Katanga. Je suis Katangais d'origine. Voilà, je ne le cache pas parce que ce n'est pas un péché d'être Katangais. Et je suis fier d'être Katangais. Ce que je vais vous demander à mes frères Katangais, mes soeurs Katangais aussi, c'est de rester ensemble, de vous unir, de ne pas aller dans l'ordre dispersé. Et cela aussi inclut tous les Congolais, de s'unir, de marcher ensemble. Quand je dis Katangais, pourquoi je fais allusion d'abord aux Katangais? Parce que la plupart de mes frères et sœurs Katangais me posaient des questions. Pourquoi j'avais changé? Et moi qui luttais pour l'indépendance de la République du Katanga, pourquoi j'ai changé? Moi, je vais travailler pour tous les Congolais. Je vais travailler pour tous les Congolais. Mais cela ne veut pas dire que je vais oublier mon peuple, là où je suis né, parce que les Katangais, ils m'ont vu naître. Hein. Je suis né à l'hôpital Saint-Deux-Jason, l'hôpital de mon grand-père Saint-Deux-Jason, qui porte le nom de mon grand-père. Je suis Kabongolais, je suis de Kabongo. Aussi, un autre côté de mon grand-père qui est le roi de Kabongo. Donc, cela ne veut pas, ne dit pas que moi je suis tombé du ciel, je suis devenu Kibwekatanga. Je respecte mes origines et j'en suis fier, je suis fier d'être Katanga. Parce que ces derniers temps, on s'était beaucoup divisé, on s'est insulté, on s'est parlé du mal. Et avant, je n'étais pas comme ça. Ceux qui me connaissent bien me connaissent comme un Kibwekatanga qui se battait pour son peuple. Mais hélas, il y avait des insultes de gauche à droite, mais ça, c'est du passé. On ne doit pas rester dans le passé. C'est pour cela que je vous exhorte, tous les Katangais, de vous pardonner d'abord. Vous vous pardonnez les autres, que les autres aussi vous pardonnent. Réconciliez-vous et restez ensemble. Moi, je vous envoie ce message. Pourquoi je dis Katangais? Je vous envoie ce message. S'il y a des gens que j'ai fait du mal dans mes messages, je demande pardon. Moi, je commence par avaler ma fierté et je vous demande pardon. Parce que nous sommes Katangais et nous resterons Katangais. Je vous demande pardon et j'aimerais que tous les leaders Katangais s'entre-pardonnent, qu'ils s'embrassent, ils vont embrasser les autres Congolais. Parce que tout commence d'abord chez nous. Ce pardon. Si nous, on arrive à nous pardonner nous-mêmes, nous allons pardonner les autres. Cela ne veut pas dire que bon, ce message, je l'envoie au Katangéo, je deviens tribaliste. Et là, ils vont crier encore, ah voilà, ils parlent encore à ses frères Katangé. Non. Restons ensemble, marchons ensemble comme c'était avant, et nous serons très forts. Divisés, nous sommes faibles. Vous l'avez vu vous-même. Nous sommes faibles. Parler comme ça ne veut pas dire que je deviens tribaliste. Il y a d'autres tribus qui font encore pire que ça. Ouais. Moi, je ne dis pas Machi Yamoumeno, je ne dis pas Adam Yamoumeno Yango. Non. Je suis Katangais et je ne veux pas envoyer des messages de division. Je vous demande tout simplement, Katangais, pardonnez-vous. Pardonnons-nous et vivons ensemble. Et ce que j'ai fait du mal dans mes messages, parce que j'étais énervé, parce qu'il m'insultait, alors je voulais me défendre. Je vous demande pardon. Et faites circuler ce message. Tout commence maintenant.
et nous allons choisir comment nous allons diriger notre gouvernement en République démocratique du Congo. Parce que moi, je sais que 2023, nous aurons le pouvoir, nous allons le prendre avec le président Kibwe Katanga. Nous allons arracher notre pouvoir par des élections libres, transparentes, inclusives, sans discrimination tribale. Joy le mine mone chabandou yangu. Moudi pardonné. Tuji pardonné tungani shi bote. Chipende tena kushikia mambo ya kusema oh Moïse Katumbi ni étranger ou ni bintu. Ah non non, chipende tena bile bintu bile. Njo binye bine to affaiblir. Na bale ba très très bien konenda kutafuta kuisha bandu yabo. Ni bintu mbaya sana. Ni bintu mbaya sana. Donc restons tous ensemble avec tous les Congolais. Hein? Embrassons-nous tous ensemble et marchons ensemble. Je ne vous envoie pas un message de division. Je vous parle d'abord, la réconciliation doit commencer entre nous les Katangais d'abord. Et les autres, ça sera facile parce que les autres vont nous prendre en exemple. Ils disent voilà, les Katangais marchent ensemble et ils pardonnent aussi les autres. Et le Congo sera sauvé. Donc toi tu es il est à Kuchambulana. OK? Bia Kuchambulana bia matushi huyu leader anatafuta bu leader. Fanya bu leader wako bien, apana kwenda kuchambula ndugu yako. Na yeye kwa ni debruye anatafuta kusaidia mkini yako. Mkini yenu. Njoo ili mimi nashikia kuko ndugu yangu mwari nita leo. Njoo tukusikilizane naye mashiku ilipita bia kukokotana mwari nita kameme. Na ye analoma mapardon yake na ye anasumburia na mi namushikia. Na bale ba artiste bengine balanza kunichambula tulikokotana misha na tena mwile mambo. Tungane shie bote mbele daboro bakatange. Shipende kwanza ile mamesaje ya kusema oibi Katanga ni yetu. No, misha na mule. Kintu munene tujipardone. Tujipardone tungane shie bote nguvu sana. Na tutenda mbali, juba ni tuafiblir sana. Ni kila mtu atakuya, anapika Katange mapi, au tasema kintu juba, tasesta kama unasema bana kubamba. Ile mambo ilinesha kuisha, election kona kuya, mufanye nguvu, mwe bote, mvote president Kibwe Katanga. Mvote president Kibwe Katanga, na tungane. Na mkongo mule atutafukusha mtu, mkatanga atutafukusha mtu, tuko shiye bote pamoja, me, tujere valorize. Kuiba vrai Katangais valeureux. Accent ici en avant de bien. Mine mi pena mwe bote.